Tu lances sur le plateau. Action. Attends, avant de te ruer sur les armes que j'ai générées. GG. J'ai pas. Ils sont pas nets. Mais bon. Bon, ils sont pas nets. Au moins, ils ont des objectifs précis dans leur vie. Ouais, ou alors on bourrine avec des armes incendiaires, ça marche aussi. Qui c'est qui tue mes ennemis à ma place hein? C'est pas gentil. Mais aggro là-bas. Allons-y avec mon nouveau petit jouet qui fait du démembrement. Hold it together. Ah Seb. Donc on a fait notre BA du jour, on a cramé des gens qui le désiraient. C'est trop tranquille. Y a personne. Ah non, y a des gens. Si vous tapez pas les gens, ça marche. D'accord, mais on tape pas les gens. On leur file 2-3 baffes pour les refiler. Anaïs, t'as compris, on tape pas les gens. On les laisse tranquille. Non, c'est ce qu'on te dit, on tape pas les gens. C'est pas des gens, c'est des bestioles. On est en mode promenade, de toute façon, on cherche rien à personne. Ah oui, lui aussi. Ah, il nous a fait peut-être un petit peu. Non, c'est bon, on peut taper les gens. Oui, parce que bon. D'accord. Bon, bah on reste planqué alors. Aïe. Oh, il vient de gagner un niveau. Il est encore plus gros qu'avant. Voilà, maintenant on peut le buter. Ouais. Gros lieu fatal. Oh oh oh. C'est joli. C'est mini. Le... Oui, en effet. Je brûle. Ouais. Ah, c'est tombé le doigt. Ça marche. Oh, c'est marrant, c'est toujours pour Anaïs. Oh oui. C'est une quête niveau 8. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Ok. Mais j'ai un lance-roquette semi-auto, c'est quoi ce truc? Ouf. Je vois pas du rouge qu'on a par terre. Ah, ça rebondit pas. Mais c'est pas de la santé, c'est un ennemi ça. Ah, mais il les tue pas trop vite, j'ai pas le temps de les mettre en. En face lock, comment voulez-vous que je regagne des points de vie moi si vous les tuez trop vite? Ah! Les tue pas, laisse-moi! Laisse-moi leur apprendre à voler! Ouais, j'ai voilà. Là, tu peux y aller! Ouais. Tu peux y aller! Tu peux y aller! Et voilà, ça sert à rien. Bon, je t'apprendrai la stratégie tout à l'heure. Hein. Ouais, j'avoue. Très sympa. Il est cool, hein? Ouais. Ouais, il y a un petit shotgun pour ceux qui aiment les shotguns là. Ah, bon bah, il y avait un petit shotgun pour ceux qui aiment les shotguns. Le sniper l'a pris. Ah, mais arrête, touchpad. C'est pas mon genre de jouer avec ta tête. Non. Ah, ah, mais arrêtez mais... Prenez-vous un coin et laissez-moi pour les autres. Ça c'est. Non mais Anaïs, qu'est-ce que ça fait? J'y vais au corps à corps, hey you. J'y crois. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui joue avec toi. Non, lâche. On va essayer d'avoir des pigeons au corps à corps. Je suis sûr que c'est jouable là. Oui, allô Antoine. C'est ça. Je suis occupé à filer des coups de poing des gens. Bah là je suis avec Anaïs, Seb et Mathieu. En train de coller des baffes à des gens. C'est très rigolo d'ailleurs. Regarde. Pum. Pum. Très belle imitation. Ah, ça c'est lent ça quand même. Et une perruche. J'ai même pas le temps de les faire décoller. Laisse-moi le temps de les faire. Ça veut dire quoi ça? Ah, ça voulait dire j'ai mal. Je suis bloqué. Bon, Anaïs, tu veux voir un feu d'artifice hein? Ça veut dire oui ou ça veut dire non? Regarde le monsieur. Non, son... Non, mais il l'a demandé. Hein. Tu m'étonnes. Ah, ça y est. T'es débloqué. Libéré. Délivré. Non.
Wait, is that the enkindling? That could be very bad. Or it could be like a cookout or something. Just keep an open mind about it, you know? These guys aren't so bad. Eh oui. Ouais, c'est un gros barbecue avec des gens. Ah ouais! Et qui c'est qui gagne? Le Goliath. Je crois que ça va être la phrase que j'ai entendue le plus pour l'instant dans ce jeu. Je suis slagué. Tiens, bonjour. Il est pas mort, hein. Le mec, il dit, je suis pas content. Voilà, au revoir. Et dis à ton ouvre-botte de pas se mettre devant moi, je vois rien après. Un discours, un discours. Le monsieur, il veut pas mourir. Yes, worship the Vault Hunter! Worship the Vault Hunter! Whoops. Come back. Je suis niveau 12,99999. Vite, un ennemi, n'importe quoi! Un truc qui donne 2 points d'XP. Aïe! Ah non. Bon. On a gagné un niveau. Kinder surprise! Je crois qu'on peut lui faire grimper la pente comme ça la voiture. Et pique fort leur cactus. J'ai gagné un défi. Eh bah t'extasie pas, nous aussi on gagne des défis. Et hop. So what's the emergence? I liquefied a guy. Come again. I was out hunting. J'ai liquéfié un type. Mais par hasard. Je voulais pas vraiment. Liquefied. Il est liquéfié. Je me cale bien. Voilà. C'est génial cette technique, moi j'adore. Je vais te regarder pour essayer de me caler. Je vais rester comme ça, c'est très bien. Taxi. On dit pas beurre, on dit c'est une mode que je ne comprends pas. Non. Et c'est quoi ce cul bordé de nouilles? Mais je sais pas où est le klaxon. C'est un tas de ronces ça ou c'est un ennemi? Ah bah elle a la sécurité de sa mère hein. C'était génial. Salut, t'es déjà là toi? Elle a une voix qui va pas du tout avec son corps. Attends, c'est la fille de Moxie? T'as sauvé ton patrolon qui est retenu au barrage? Alors tu pourrais prendre l'avantage sur les sans-pitiés au volant d'un de ces bons vieux poids lourds. J'en ai un juste là, si tu... J'ai explosé le conducteur de oui. Ça c'est sûr, question poids lourd, t'as l'air de t'y connaître. Wouhou! On vole pas très haut. Ça fait un peu pétard mouillé sur le coup. Wow! Doucement les gens, doucement, doucement. Anaïs, quand tu veux, tu tires sur les voitures, hein. Quand tu veux, Anaïs. T'es juste en endroit, en train de mire. Voilà. Ouh, mais là, bien, c'est bien. Sûr. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah ouais, je viens de te sauver. Ouais, on vous attaque, ouais. Mais c'était pas devant le car. Ouais. Ah merde! Mais c'est quoi ce bus? Pourquoi j'ai plus de voiture? Oui! Je monte pas avec ça, moi. Je sais pas quel siège j'ai pris. Arrêtez de bouger! Je vous demande de vous arrêter. Voilà, corps à corps c'est tellement mieux. J'ai vécu à Sanctuary pendant un petit moment, mais j'avais toujours Moxie sur le dos. Fallait bosser pour elle, mettre du maquillage, perdre des kilos. J'ai eu besoin qu'elle me lâche, alors je suis partie vivre seule. J'ai un peu peur que Scooter ait flashé sur moi. Quoi? Sérieux? C'est presque pas vrai. Oh là 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 là, la voiture commence à prendre un peu cher. Ça prend très cher. Non mais arrête de... Wouhou! Devant. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on échange.
Là, je voudrais échanger avec l'autre. Alors, je vous préviens, je suis pas précis. Putain, je touche. L'airbag aurait dû se déclencher, non? Vous me dites si ça sert à quelque chose, hein? Oh, y'a un gros. Waouh. Oh. Avec un gros ralenti et tout. Boum. Ou pas. M'en fous, second souffle lance-roquette, j'y crois. Ah bah non. You ought to be here. Oh. Oh. Waouh, ça tire de plus en plus. Cobra, j'ai rien compris. Zip. Est-ce que quelqu'un pensait ouvrir le chiotte? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Stay still. Arigato. Elle parle japonais maintenant. Ah mais je suis tout seul. Bah c'est pour ça qu'on a dit à gauche. Ah oui, je pensais que vous disiez à gauche. Oui mais j'ai cru entendre pour tirer sur les ennemis de gauche. Merde, j'ai plus rien de rien. Je crois qu'on a bien fait le ménage. On a perdu Anaïs. Quoi? J'ai pas d'acide. Ah, carrément. Ah, bah oui, voilà. Il est pas très résistant le monsieur. Oh, c'était une feinte. Il y a des boutons, ça sert à quoi? Il y a un code. C'était pas le bon code. Reste pas à côté. On va peut-être les aider, Seb, parce que... Je m'en vais. Aïe. Arrête de discuter par onomatopée, on comprend rien. Des flingues. Ouais. C'est un Marcus Buddha. Avec plein de flingues. Non. Je suis pas pris d'objet. Ah, ils explosent. Yep. Ça progresse. Il y a des machins volants qu'on peut abattre. Bon, je prépare le lance-roquette. Voilà, plus de roquettes. Ça manque. Je voudrais des ennemis pour les faire voler. Waouh, j'ai des éclairs de partout, j'en fais rien. Mission. Explodeur. Il y a un coffre, il veut pas s'ouvrir. Il me reste 2 points XP à trouver. Vite, le moindre petit ennemi. How the hell did those bandits snag you? Just taking a leak. One of them knocked me out. Wow, you are a dumbass. Il faut donc qu'on mette la main sur cette clé de l'arche. Il y a quelqu'un qui peut nous dire où elle se trouve. Il est mon espion dans le Tundra Express. C'est un expert en renseignement. Ninja. Mais aussi en bitume. Il va sûrement être en train de pioncer après une grosse cuite. Il y a que dans Fallout et Skyrim que le fait d'être accroupi te rend invisible. Ici, visiblement, ça marche pas.